Voilà, merci beaucoup. Je vais parler donc en français. J'espère qu'il y a certains d'entre vous qui comprennent bien le français. D'accord, merci beaucoup. Donc avant de commencer, je souhaite une bonne fête du 8 mars à toutes les dames qui sont présentes ici. Nous sommes le 8 mars. Hello everyone. So he's going to give the speech in French and he's wishing a happy Women's Day to all the women here today. Donc, mesdames et messieurs, les sponsors officiels de cet événement, mesdames et messieurs les représentants des pays étrangers présents ici pour la circonstance, mesdames et messieurs les initiateurs et promoteurs, notamment responsables de l'Académie de la diplomatie culturelle, mesdames et messieurs messieurs de la Maison des Arts et de la Culture du Salon international du tourisme de Berlin, ITB. Honorables invités. Ladies and gentlemen, the official sponsors of this event. Ladies and gentlemen, representatives of foreign countries present here at this occasion. The starters of supporters, especially for the Institute of Cultural Diplomacy, ICD. Ladies and gentlemen, from the House of Art and Culture of the International Tourism Trade here in Berlin. Honorable guests. Permettez-moi tout d'abord de réitérer mes vifs remerciements aux initiateurs du Forum économique de Berlin pour avoir invité le Niger, mon pays, à ce grand événement. Ce forum qui se veut une plateforme d'échange des expériences individuelles est une grande occasion de vous entretenir sur les défis et opportunités que le Niger compte apporter au reste du monde. First and foremost, allow me to express my heartfelt gratitude to an initiator of the Berlin Economic Forum, for inviting Niger, my country, to this grand event. This forum, which aims to be a platform of exchange of individuals' experiences, it is a great opportunity to discuss the challenges and opportunities that Niger aims to bring to the rest of the world. Comme vous le suivez tous, l'actualité en même temps que nous, le Niger vit depuis le 26 juillet 2023 des moments rythmés en grande partie par un changement de régime et ses conséquences, notamment la suspension de la coopération bilatérale par les partenaires traditionnels qui sont les pays membres de l'Union européenne et l'imposition des sanctions économiques et financières décidées par les organisations sous-régionales, la CEDEAO et l'UEMOA. As you are aware, Niger has been experiencing significant changes since the July 26, 2023, largely marked by a changing regime and its consequences, including the suspension of bilateral cooperation by traditional partners, the member countries of the European Union, and the imposition of the economic and financial sections decided by Economic Community of West African Countries and West African Economic and Monetary Union. C'est ici l'occasion de vous informer du retour du Niger dans le concert de la communauté internationale, hormis les incompréhensions de nos partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux. This is an opportunity to inform you of Niger's return to the international community, despite misunderstanding with both bilateral and multilateral partners. Depuis le 26 juillet 2023, c'est en effet son Excellence le général de brigade Abdourahman Tiani qui dirige le Niger à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Since July 26, 2023, it has been Brigadier General Abdourahman Tiani who has led Niger at the head of the National Council for the Salvation of the People. La CEDEAO et l'UEMOA viennent de lever les sanctions imposées au Niger à la suite des événements si haut cités et je m'en réjouis de cette levée de sanctions. Economic Community of West African States and West African Economy and Monetary Union have just lifted the sanctions imposed on Niger following the aforementioned events, which I'm pleased about. Le Niger, comme vous pouvez le constater sur une carte, jouit d'un positionnement géographique très stratégique situé à cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Niger, as you can see on a map, enjoys a very strategic geographical position. Located between North Africa and Sub-Saharan Africa. Le Niger est le pays qui a la plus forte démographie de la zone UEMOA après la Côte d'Ivoire, constituée majoritairement d'une frange de plus de 50% de moins de 15 ans. Niger has the highest population in the West African Economic and Monetary Union region after Ivory Coast, consisting mostly of a demographic segment of over 50% under the age of 15. Il est également le pays qui jouit d'un ensoleillement permanent. It's also a country that has a permanent sunshine. Sur le plan touristique, le Niger abrite la grande mosquée classée patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la mosquée d'Agadez, une des plus grandes réserves animalières, notamment les girafes, les hippopotames, les éléphants, dans le parc de W, et à la réserve naturelle nationale de Termit et de Tin Toumma, qui est la plus grande réserve d'Afrique, avec une superficie de plus de 86 000 km2, où vivent les grands mammifères, les oiseaux, les reptiles, les tortues, etc. In terms of tourism, Niger is home to the great mosque classified as a UNESCO World Heritage Site, the Agadez Mosque, one of the largest wildlife reserves, including giraffe, hippos, and elephants in the W Park. The Termit and Tin Toumma Natural Reserve, which is the largest reserve in Africa with an area of over 86,000 kilometers square, where large mammals, birds, reptiles, turtles, etc. live. Ainsi, la culture comme composante de l'action diplomatique met en relation des peuples de divers horizons malgré la diversité des langues, des races, des différences philosophiques, voire religieuses. Thus, culture as a component of diplomatic action connect people from diverse backgrounds. Despite differences in languages, religion, race, philosophical, and even religious differences. On peut citer à ce titre illustratif les activités fédératrices qui se sont tenues au Niger les deux derniers mois passés. As illustrated example, we can mention the unifying activities that have been taken in Niger over the last 2 months. Le championnat national nigérien de la lutte traditionnelle à Agadez, le festival international Dokin Iska, course des chevaux en provenance de plusieurs pays voisins et du Niger, tenu à Filingué, la fête annuelle des non-voyants, tenue à Zinder, où des aveugles compétissent dans divers domaines de la vie artistique et culturelle. The national championships of traditional wrestling in Agadez, the international festival Dokin Iska, a horse race involving participants from several neighboring countries, and the Niger held in Filingué, the annual festival of the visually impaired held in Zinder, where blind individuals compete in various artistic and cultural domains. La culture transcende ces différences conjecturelles pour s'intéresser fondamentalement à l'humain qui demeure le dominateur commun. Culture transcends these circumstantial differences to fundamentally focus on humanity, which remains the common denominator. Le Niger demeure respectueux des valeurs intrinsèques à l'homme, telles que ses droits sociaux, politiques et économiques. Niger remains respectful of the intrinsic values of humanity, such as social, political, and economic rights. Les autorités compétentes nigériennes s'intéressent aux questions liées à la sécurité juridique, qui demeure un cadre dédié à la santé des investissements et à leur visibilité. Nigerian competent authorities are concerned with issues related to legal security, which provide a framework for the health and visibility of investments. Plusieurs mesures incitatives ont été prises pour faciliter le climat des affaires au Niger. Adoption d'un nouveau code d'investissement, création de tribunaux de commerce, de centres de guichet unique, etc. Several incentive measures has been taken to facilitate the business climate in Niger. Adoption of a new investment code, establishment of commercial court, a single window center, and much more. Je ne terminerai pas mes propos sans vous réitérer que le Niger est une jeune nation qui dit, et qui dit jeunesse dit énergie, alors mon pays est une valeur sûre pour vos investissements et la prospérité de vos affaires. I will not conclude without relating that Niger is a young nation. When you say youth, comes energy. So my country is a safe bet of your investment and prosperity of your businesses. Sur ce, je vous souhaite plein succès dans vos échanges respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. With that, I wish you all great success in your respective exchanges. Thank you for your attention. Would it be okay if we take some questions from the audience? Est-ce que ça vous dérange pas qu'on prend des questions? Okay, now I... Oh, there, okay, there is a question. Would you please remain in the podium for the Q&A session? Would be great. Because of the microphone. Oh, yeah, you can you tell him he should stand into the mic? Oh, le micro, oui. D'accord, okay. Thank you, Your Excellency. I am from Moscow. I am professor of... political culture and ideology, and another one, the president of Union of African Diaspora in Russia. I have two questions. Do you translate? Understand, ambassadeur? Oui, donc il vous a dit qu'il habite à Moscou et qu'il est le directeur général. Pardon, sorry, you're the director in Moscow of which association? President of Union of African Diaspora. Ah, l'Union africaine diaspora. Diaspora. Oui, okay, je comprends. First question: how many Nigerians living another country? Which country is more people is living? In Russia, is very few. That's the first question. Alors la première question, c'est combien de Nigériens habitent en dehors du Niger? Et second question. Second question. Who is today the unfriendship countries for Niger? Today, because you're inviting tourists who can got free visa, who is not. Thank you. Alors pour la deuxième question, il vous demande c'est qui le pays avec lequel le Niger a moins de relations diplomatiques et avec qui elle le travaille le moins. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est le président de la diaspora africaine vivant à Moscou. Donc, comme vous l'avez dit, les Nigériens ne sont pas nombreux dans la Fédération de Russie. Ou même d'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de Nigériens en Europe. Mais comme vous avez demandé le nombre de Nigériens à travers le monde entier, bon, on peut estimer à peu près à plus d'un million de Nigériens qui vivent à l'extérieur. Mais la plupart des Nigériens vivent en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, donc au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Donc la plupart, on peut estimer, en tout cas ceux qui sont les plus nombreux, on peut dire qu'ils vivent en Côte d'Ivoire ou au Togo. Donc ils sont beaucoup plus majoritaires en Afrique. Donc ils n'ont pas la tradition vraiment de traverser par exemple la mer Méditerranée pour venir donc, travailler en Europe comparativement aux autres Africains. So he's saying that most of the Nigerians live in Africa, especially in west of Africa, mostly in Ghana, Togo, Nigeria, and Ivory Coast. There's around 2 million people living abroad in Europe, but they prefer to stay in Africa. Donc ici, par exemple, en Allemagne, nous n'avons pas beaucoup plus de 2000 Nigériens qui vivent en Allemagne, et la plupart sont donc dans la région de Halle ou à Hambourg, la plupart des Nigériens. Mais ils sont moins nombreux que les autres Africains qui vivent en Europe. There's in Germany around 2,000 Nigerians living here. Most of them live in Hamburg, but there is less of them here compared to other African countries. Oui, pour la deuxième question, il vous demande avec quel pays le Niger a moins de relations diplomatiques. Bon, ça, c'est... He's originally from Ethiopia, that's why he's asking. Bon, le Niger, comme par nature, comme pays membre des Nations Unies, a des relations avec vraiment presque tous les pays du monde. Il a des relations diplomatiques, ça c'est avec tous les pays du monde. Donc si ce n'est pas une question d'ordre communautaire, par exemple, qui font que les relations sont réduites à travers, par exemple avec Israël, on a moins de relations, parce que dans le cadre d'une organisation commune, donc de la conférence de la coopération islamique de l'OCI, par exemple, fait que beaucoup de pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël. Sinon, le Niger a des relations avec tous les pays du monde. Même avec la France, que cette année, les relations se sont vraiment détériorées compte tenu du changement donc, des régimes dont je vous ai parlé. Mais les relations avec presque tous les pays du monde, vraiment, le Niger a des bonnes relations. Et c'est vrai, avec la France, ça s'est détérioré parce que la France aussi, c'est le pays qui a colonisé le Niger. Donc depuis 60 ans, plus de 60 ans, on avait des relations très serrées, très cordiales. Mais cette année, ça s'est détérioré. Donc il y a eu vraiment ce que vous dites là. Sinon, il n'y a pas de pays à travers le monde qui n'ont pas de relations. Parce qu'en tant que pays membre des Nations Unies, donc, nous entretenons des relations avec presque tous les pays qui sont reconnus par les Nations Unies. Voilà. So he's saying that basically Niger has a good relationship with almost all the countries around the world, has less relationship with Israel due to Islamic reasons, but even with France, it's true that for 60 years they had a very hard relationship, but for the last few months or few years they had a better relationship. So in general they have a good relationship with most of the countries. Thank you. Bonjour. J'aurais une petite question. Can you translate in English or should I translate? J'ai lu que dernièrement vous avez de bonnes relations avec le Maroc et qu'il y avait un processus par rapport à, je pense que c'était des pays du Sahel avec le Mali, Burkina Faso, le Niger et le Maroc, par rapport à un accès à l'Atlantique. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Serait-ce peut-être une bonne initiative? Et quelle est votre relation avec le Maroc? English? Okay. So my question was that what's the relationship between the Niger and Morocco, and there's a new process leading better access to the Atlantic for Mali, Niger and Burkina Faso with Morocco, and what's his opinion about that? D'accord, merci beaucoup pour votre question. Vous savez, le Niger est un pays enclavé, il n'a pas accès à la mer. Donc le seul accès à la mer qu'il a, c'est à travers, par exemple, le Nigeria, qu'il n'utilise pas, mais c'est surtout à travers le Bénin. Donc avec les sanctions dont je parlais tout à l'heure de ECOWAS, donc de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, l'accès est devenu plus difficile parce qu'on ne peut plus, le seul port où on a accès, c'est le port de Cotonou, qui est situé déjà à 1000 km donc, du Niger. Donc c'est le seul qu'on utilisait. Maintenant, nous sommes également dans la même situation. On a créé une organisation commune, AES, donc l'Alliance des États du Sahel avec le Niger, le Burkina et le Mali, qui sont tous d'ailleurs enclavés. Tous les trois pays n'ont pas accès à la mer. Donc on a eu une opportunité avec le Maroc qui nous facilite maintenant l'accès à l'océan Atlantique. C'est donc bienvenu pour que on utilise également donc le passage à travers le Maroc, donc l'océan. Donc ça c'est vraiment une grande opportunité qui s'offre à nous et nous qui sommes enclavés. Donc il y a plusieurs maintenant possibilités d'accès donc à la mer. Donc sinon autrement on passe par exemple par le Togo ou par le Ghana, mais c'est encore beaucoup plus éloigné. Et puis il y a d'autres questions, facteurs de sécurité qui s'y posent. Donc on a accueilli vraiment favorablement cette initiative du Maroc. So Niger does not have access to the sea, so the only way to do it is through Benin or Nigeria. And they created an organization with Burkina Faso, Mali, and Niger where they talk about this to find a solution. So the only way that it seems for them is it would be good to have a good relation with Morocco for the Atlantic Ocean, as with the, usually they do also with Togo and Ghana, but for some security reason and other reasons they would prefer to do it from the Atlantic Ocean. Okay, it's working. Okay, I'm going to ask my question in English, and I want Nina to translate to French. All right, so I mean, we know through this institute called the Institute for Cultural Diplomacy that language in general is not just a tool for communication, but it's also a market. It's also it can serve as a political bridge. It can serve as a political means to influence. And my question is for Mr. Ambassador is, don't you think that the heavily use of French in West Africa keeps the French influence and maintains the French influence in the culture and in the market of West Africa? So as here at Institute of Cultural Diplomacy, we know. Ah. D'accord, je m'excuse. Alors, ici à l'Institut de la Culture, la diplomatie, on sait combien la langue est très importante pour la communication. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent par rapport à la langue. Donc, est-ce que vous pensez que le français, en étant dans beaucoup de pays dans l'Ouest d'Afrique, est une barrière pour beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir, même selon le marché, etc.? Oui, moi, vous avez raison, parce que la langue est très importante pour la communication. Et surtout de nos jours, maintenant, par exemple, l'anglais est de loin la langue la plus parlée à travers donc, le monde. Comme vous avez dit, en Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies, ou même en Afrique centrale, c'est toujours le français. Mais vraiment, le français maintenant est relégué au second plan. Donc ce n'est pas une langue internationale, même si on voit à travers la technologie, tout est en anglais, ce n'est pas en français. Le français ça a tendance à être relégué. C'était l'ancienne, donc la langue diplomatique, c'est vrai dans le temps, mais ça n'a plus vraiment sa raison d'être comme ailleurs, parce que même là où on parle le français, c'est l'anglais quand même qui prime sur le plan international. Voilà, c'est ça. It is true that English is the most spoken language in the world, and it is true that English has more importance than French, and that French it's not an international language, even though it was a diplomatic language back in the time, but it's not anymore, and we should give more importance to English in that region. Bonjour Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Je m'appelle Kandé, j'ai un profil un peu atypique. Je suis arrivé du Tchad spécialement pour ce forum. Donc nous sommes de la même région qui est le Sahel. Je dis que j'ai un profil atypique parce que je suis manager d'artistes. Donc je ne suis pas étudiant en diplomatie, je ne suis pas étudiant de cet institut, mais je m'intéresse beaucoup aux histoires et aux affaires diplomatiques. C'est pour ça que je suis là. J'organise un festival qui a lieu chaque année au Tchad et je travaille avec l'Institut français du Tchad en ce qui concerne le sponsoring et le partenariat. Et je sais qu'il y a également le Goethe-Institut qui est donc la représentation culturelle de l'État fédéral allemand qui existe au Niger mais qui n'existe pas au Tchad. Et étant donné que le Tchad et le Niger sont dans la même zone qui est le Sahel, j'aimerais savoir aujourd'hui, Monsieur l'Ambassadeur, est-ce qu'il est possible pour vous, en tant qu'ambassadeur, de m'accorder une recommandation auprès du Goethe-Institut qui se trouve au Niger afin de bénéficier de tout ce qui est mobilité et fonds de sponsoring pour mon festival qui se déroule chaque année au Tchad. Merci beaucoup. Do you want to do it in English? I will try. Okay, so I said that I came from Chad. I work with some artists in Chad. I organize a festival every year in Chad. So my question is that, is it possible to Mr. the Ambassador to help me to have the accreditation to work with the Goethe-Institut in Niger, which is the representation of the Germany in Niger? Thank you. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, le Tchad, c'est un pays voisin du Niger. Donc, nous partageons vraiment beaucoup les mêmes réalités historiques et géographiques. Et il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, tchadiens, qui étudient au Niger dans les différentes universités et instituts du Niger. Donc, comme vous avez dit que vous avez un festival à préparer, et donc dans ce cadre, il n'y a pas de problème. C'est avec grand plaisir qu'on va vous faire une recommandation donc, pour que vous bénéficiez donc, de l'Institut allemand qui est au Niger. Donc voilà, le deuxième conseiller de l'ambassade, vous pouvez prendre attache avec lui pour faire vraiment toutes les formalités pratiques. C'est un grand plaisir pour nous également donc, de vous assister. Merci beaucoup. Merci. So, shall I translate? Or so, as Chad has borders with Niger and has shared the same history and geography. So, and many students from Chad go and study in Niger as well. And it's an honor to help him to get the recommendation. And his colleague, we can get in touch with him and we'll help him later on. So we ended on a very personal note. Unfortunately, because of time restraints, I already didn't take the next question. There will be a lot of more questions. I hope we are going to have the ambassador again here. Thank you very much to everybody, to the ambassador, to Nina for translating, and also to the room for having nice and interesting questions. Elle vous remercie et on prendra les questions plus tard. Et voilà, espérons vous avoir... je peux poser une question parce qu'on devait commencer par là, mais je voudrais que ceux qui ont assisté à la cérémonie se présentent un à un pour qu'on sache de quel pays ils viennent ou de qu'est-ce qu'ils représentent. Oui, bien sûr. He's asking if there's any possibility to each one of them present and give a short introduction about themselves. Every person in this room. Tout le monde dans cette salle? Oui, tout le monde quoi, pour savoir. Yes. Okay, let's think how we're gonna do it. We are going to have a panel after this, so the four panelists, they are going to introduce themselves anyway. Mm-hmm. What about, we are going to do a round, and then those four people, we are going to switch, and then those four people say who they are. If that's okay with everybody. This is going to be a challenge, so I am a wish granter, so I would like everybody to just say 2 sentences about themselves very quickly. So we're going to do it now. But yeah, we're going to do it now. But I want you to be like precise. Who are you? What are you doing? That's done. Where you come from? Where you come from? And Nina is going to like a lightning immediately translated. Yeah. My name is Gutstegrima. I'm from Ethiopia and I'm a student here in ICD. Okay. Her name is sorry. No, I don't need to. I don't need a translation for this. For this, yes. No. Okay. My name is Adama. I'm from Sierra Leone, a past student of the ICD. Okay. My name is Arslan. I'm from Turkmenistan. I am a student on ICD. My name is Zakir Hussain Mirzai. I'm from Afghanistan and I'm also a student here. You can do it. Mon nom est Madame Maka, directeur du tourisme, ambassade de Côte d'Ivoire. Koulibaly Dalia Ruth, assistante, ambassade de Côte d'Ivoire. Kandé, je viens du Tchad, je suis entrepreneur culturel et manager d'artistes. Hello, my name is Wahib, I'm a student from ICD and I'm from Algeria. Mon nom est Ingrid, je suis étudiante à l'ICD et je viens du Cameroun. My name is Mohammed Shahin Khan, I'm from Pakistan, currently studying here Masters in International Economics, Business and Cultural Diplomacy. My name is Shahid Rashid, I am from Pakistan, also I am a student here. Hi, my name is Lucas, I'm from Austria and I'm also a student here. Good evening, my name is Ruchaita, I'm from India and I'm a student at my ICD. Bonjour, je m'appelle Angèle, je suis marocaine camerounaise et je suis étudiante ici aussi. Hi, my name is Beatrice, I'm a student here and I'm from Portugal. Hello, my name is Feza and I'm from Pakistan and I'm a student here at ICD. Hello, I'm Sana. I'm also from Pakistan and I'm a student here at ICD. So now I'm going to have my next panelists introduce themselves. So just to touch the next session. Good afternoon, my name is Happy Mango. I come from Malawi, thank you. Bonjour, je suis Jonas. J'ai oublié trop de français. Yeah. But I'm working as an analyst and consultant for international organizations. My name is Professor Zainab Akinfu, originally from Ethiopia, but I'm long time working in Moscow. I'm a teacher there. Okay. Thank you, everyone. Oh, that's okay. Yes, my name is Abdullahi Sise from the Gambia, studying in Indonesia, Masters in Economics. Ah, good, by the way, so I will introduce myself too. I'm Didem, I hold a PhD in climate politics and I'm also kind of a politician, and thank you very much for everything. Merci beaucoup. Merci. Okay. Thank you for everybody. So now I am going to ask the next panelist to sit there, but since I have to do the mandatory picture with the ambassador, we're going to take 2 minutes of break, okay? No longer. Because there's also going to be snacks later. So at 6 o'clock, we're going to get shawarma and falafel. Yeah. So.